live. Bam! Bam bam, attends, viens voir. Est-ce que du coup, est-ce que ça saccade toujours? Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, on va juste checker que ça saccade pas chez vous. Est-ce que ça va ou pas? Dites-nous. Hein. Bonjour, bonjour. 1, 2, 1, 2, ici à terre. Est-ce que ça se passe bien de votre côté? Bon, ça a l'air d'être bon. Hello, hello, c'est bon, bonjour Victor, bonjour Rémi, bonjour, bonjour. Le live est propre là, c'est parfait. Tout est formidable. Bonjour Rémi! Bonjour Victor. Alors, Amy, donc, alors c'est un live un peu spécial pour une raison qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, nous allons présenter un secteur de l'entreprise qu'on présente assez peu, voire même foncièrement jamais, Tout à hein, fait. qui est le test. Alors le test, pourquoi on le montrait assez peu? Eh bien, parce que, il a été construit il y a fort longtemps. Mais il était assez épars, assez, voilà, il était en plein build. Là, on a une équipe qui est solide, qui est du tonnerre. Tu l'as depuis le début quasiment. Tout à fait, bah, depuis on va dire novembre 2017. Tout à fait. Et du coup, maintenant, c'est l'occasion de dire bonjour au monde entier. C'est ça. Bonjour le monde entier. Bonjour au monde entier. Elle a l'air stressée, mais tout va bien se passer. Oui, ne vous inquiétez Oui. pas. Surtout là, rassurez-la, d'accord? Je pensais que vous avez annoncé des trucs de ouf. Vaticule, si on annonçait des trucs de ouf, on n'aurait pas juste mis édition spéciale juste en dessous de Twitch comme ça, de manière random. T'inquiète qu'on l'aurait annoncé, loulou. Et c'est un live spécial puisqu'on parle d'un truc qu'on ne parle jamais. Je commence par les news et ensuite on enchaînera sur Devati. Les news, elles sont assez simples. Bah, c'est la même chose que la semaine dernière. Voilà, on travaille toujours sur Launcher, on travaille toujours sur le double écran qui est au test, on y reviendra évidemment. Et voilà. C'est à peu près tout. Tout à fait. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, normalement, on aura plus de news. Il n'y a pas écrit Keynote non plus. Exactement. Hein. Édition spéciale, il n'y a pas de news, mais on vous aime. Exactement, FlowGS, tu connais les bails, mon vieux. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà aux gens? Alors bonjour, du coup moi c'est Amy. Donc en fait, Bonjour Amy. voilà. Je m'occupe actuellement de la partie end-to-end, en fait. Donc c'est l'expérience utilisateur. Donc je suis un petit peu la responsable de ce département, voilà, au sein de l'assurance qualité. D'accord. Et du coup, tu es donc là depuis longtemps au test. Est-ce que par quoi t'as commencé finalement un petit peu chez Shadow? Alors pour ceux qui sont là depuis, on va dire presque les débuts de Shadow, en fait Comme moi. j'ai commencé au support et j'étais Black Canary en fait. Dès juillet 2017, voilà. Donc de juillet à novembre, Là j'ai été au depuis. support en tant que Black Canary, à Là depuis un répondre au petit moment finalement. téléphone. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez été dépanné par Black Canary, sachez qu'elle existe en vrai puisqu'elle est connue moi et ce n'était pas un bot. On sait jamais, hein, Quoique précisément. des fois on dit que je parle un peu R2D2, mais bon, ça c'est une Oui, autre ça c'est histoire. une autre histoire. Voilà, donc surtout, alors c'est important, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ce qui est sonné, parce que de toute façon moi dès que je fous un pied à la QA, je ne comprends plus de ce qu'ils se disent, n'hésitez pas à le dire dans le chat et on se fera une joie de le vulgariser. Alors, commençons par commencement. Pourtant, au support, j'ai passé ma vie au départ, Team Rocket TV. Eh bien, il faut dire qu'elle était tellement douée qu'elle est vite partie pour faire du test. Parce qu'elle est talentueuse, Amy, et il ne faut pas l'oublier. Alors, C'est gentil, oui, merci. mais c'est vrai, tout le monde le sait. Parce que vous savez pas, parce que moi je la vois travailler et elle a à peu près. Victor, ça veut dire quoi? Victor. Gelven, on va se calmer sur les mots complexes. C'est vrai que Victor est un mot assez compliqué. Ça, on l'expliquera dans un deuxième temps. Oui, parce qu'il faut savoir que Amy, elle a à peu près 5 écrans, ce qui est très effrayant quand on la voit travailler. Alors. Comment, à quoi ça sert le test déjà pour commencer? Alors, le but du test... Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. T'inquiète, je vais te chercher un verre d'eau. Vas-y, explique aux gens, je vais te chercher un verre d'eau. Alors, donc l'assurance qualité, en fait, le principe, c'est de tester de plusieurs manières Shadow avant que ça arrive chez vous. Parce que bah, quand on développe, tout peut un petit peu arriver et il suffit malheureusement des fois de changer uniquement une seule valeur pour que un peu tout explose. Donc, merci beaucoup. Bois donc, bois donc. Ah, c'est beaucoup mieux, merci. Alors, donc effectivement, l'assurance qualité, en fait, chez nous, on va dire que c'est découpé un petit peu en deux départements. En fait, il y a ce qui s'appelle l'intégration système, et ensuite, il y a ce qui s'appelle le end-to-end. Alors, le principe de l'intégration système, c'est de tester composant par composant, à un niveau plus bas, en fait, où tous les composants sont isolés et on teste que ce composant-là.
Ensuite, par exemple, le cas du streamer. Par exemple. Du coup, il est isolé sur un serveur local et en fait, on n'a vraiment que ça qui change. Et ça nous permet de faire plus de tests que si jamais on était dans un data center ou ce genre de choses. Alors après, du coup, il y a ce qui s'appelle le end-to-end. Là, c'est plus, on va dire, ma partie, tout à fait. C'est plus axé, du coup, expérience utilisateur. Le principe, c'est en fait, au lieu de tester fonctionnalité par fonctionnalité, donc point par point, vraiment, comme on pourrait le faire en intégration système, le principe du end-to-end, c'est d'évoluer en, par scénario. Ça va être par exemple un scénario, un des scénarios tout bête, par exemple, ça va être de se comporter comme un premier utilisateur. C'est-à-dire, on démarre... Comme un débile comme moi, par exemple. Genre, bonjour, je sais pas ce que c'est Shadow. Voilà, parce que vous savez, vous me connaissez, vous avez mes skills en jeu vidéo et parfois sur console. Et vous savez que je suis pas très très talentueux. Du coup, imaginons, je suis un abruti, je suis Victor et moi. Vous vous mettez à la place de quelqu'un comme moi, par exemple. C'est ça, c'est l'idée ? Alors, c'est l'idée. Et en fait, déjà, tu as tout à fait raison, parce que nos tests sont rédigés pour que tout le monde puisse les exécuter. C'est-à-dire que dans la première phase de rédaction, on a même demandé, par exemple, à quelqu'un de l'équipe RH, tout simplement, d'exécuter nos tests pour savoir s'ils avaient été suffisamment bien écrits, suffisamment bien décrits, même. Pour que ce soit utilisé par un serveur lambda, quoi. C'est ça, tout à fait, exactement. Et en plus, de toute façon, il faut que tous les test cases, tous les cas de tests, soient hyper précis, en fait, au niveau comportement. On doit être capable de décrire exactement qu'est-ce qu'on attend à chaque étape sur l'écran, par exemple. Si on clique à un endroit, on doit indiquer exactement quelle action doit intervenir. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui doit s'allumer ? Est-ce que le launcher doit afficher tel ou tel message ou ce genre de choses ? Alors, la particularité du end-to-end, c'est qu'on évolue par scénario. Et par exemple, on a quelque chose qui s'appelle la première utilisation, où c'est on démarre Shadow pour la première fois. Si un RH peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est pas très gentil, Zigoto, mais c'est vrai. Mais c'est le but aussi, c'est-à-dire que on doit être suffisamment précis pour que ça soit exécutable vraiment par tout le monde, en fait. Et que aussi on ait le moins de formations à effectuer pour les nouvelles personnes qui vont arriver dans l'équipe, parce que ça arrive. Et c'est pour ça que tout simplement ça doit être exécutable par tout le monde. Et alors je reviens au principe du coup de la première utilisation, par exemple. Si on démarre Shadow pour la première fois, on va effectuer toute la configuration que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez effectuer la première fois que vous allez démarrer votre Shadow. On va ensuite, par exemple, faire une mise à jour NVIDIA, puis après installer et jouer un jeu pendant une période donnée, en fait. Et ce scénario-là, par exemple, a l'intérêt de vérifier énormément de points, en fait. Mais il est sur une période donnée, en fait. Au lieu de tester point par point comme on pourrait faire pour l'intégration système, là, vraiment, le but, c'est d'évoluer par scénario. Ok, oui, donc voilà, scénario 1, scénario 2, telle situation, telle c'est catégorie, ça, telle exactement. Catégorie. Exactement, on teste par situation. Et du coup, pourquoi tester par situation ? Parce que en fait, ça permet d'isoler certains trucs spécifiques ou des trucs qu'on a peut-être ratés ou ce genre de choses ? Alors justement, c'est quelque chose que je n'avais pas tout à fait dit. Autant on teste par composant pour l'intégration fonctionnelle, autant pour le end-to-end, le but, c'est de faire ce qu'on appelle une intégration Big Bang. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé composant par composant que rien n'est cassé, c'est pas pour autant que... Une fois qu'on assemble le tout, il n'y a pas quand même quelque chose qui va casser. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin de deux phases. Une première phase où on teste par composant pour identifier si le composant lui-même a un problème. Et ensuite, on teste avec tous les composants ensemble, un Shadow classique comme un utilisateur, pour vérifier que le tout fonctionne correctement. Alors, en tout cas, un grand merci pour votre travail, car tout marche très bien. Atomus, entendu, tout à fait. Ben, on peut remercier le test. Hein. Notamment, c'est grâce à eux que vous avez beaucoup, beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Parfait, on peut enchaîner là-dessus, en plus, il me semble, parce qu'il me semble que c'était dans la suite de ce que vous faisiez, un petit peu, en termes de nouveautés, surtout. Quelle est la part d'automatisation des tests par rapport aux tests humains ? Est-ce que c'est pas une transition toute trouvée ? Alors, tout à fait, c'est une excellente transition. Merci beaucoup, Jelven. C'est très adorable à ta part. On a effectivement, il y a un énorme effectivement travail d'automatisation à réaliser. Alors pour l'instant, l'ensemble des tests en fait sont réalisés à la main,
Et en fait, là, actuellement, on travaille à automatiser. Mais d'ailleurs, pourquoi sont tirés des alarmes ? Parce qu'en fait, on a des protocoles, je suppose, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a des protocoles spécifiques à Shadow, et ça met du temps à les automatiser, c'est ça, je suppose ? Tout à fait, bah, ne serait-ce que... Vous voyez que je suis pas con, bam ! Ne serait-ce que, par exemple, pour tout ce qui est clavier, souris, ou ce genre de choses, ça peut être... Le protocole de Shadow rend la chose, on va dire, assez complexe. Donc, Et alors, c'est pas complexe, c'est spécifique à Shadow, du coup, il n'y a pas de truc automatisé qui existe pour l'instant, quoi. Non. Ça existe, mais c'est pas adapté, quoi. En fait, on est obligé de développer, de développer maison, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a rien dans le commerce, à l'heure actuelle, qui peut exister. Tout simplement, peut-être qu'il y en a qui s'intéressent à Android, mais il y a des utilitaires tels que Appium ou ce genre de choses, ou par exemple pour les sites web, on peut utiliser aussi des utilitaires qui s'appellent Selenium ou ce genre de choses. C'est des logiciels qui sont déjà créés pour pouvoir tester les sites web, ou Appium par exemple pour pouvoir tester une application Android. Malheureusement, notre architecture fait que c'est extrêmement spécifique et du coup on a besoin de... C'est pas que les outils sont mauvais actuellement, c'est que ça marche pas pour nous, quoi, pour l'instant. Tout à fait. D'accord. Alors du coup, on va reprendre sur la transition qui était tout à fait trouvée. Alors du coup, en termes de end-to-end, en fait, on travaille à automatiser un peu tout ce qui est tous nos scénarios. Alors, je vais reprendre un tout petit peu. Désolé. Oui, pour ce qui se concerne en fait les tests, on va dire fonctionnel, donc plutôt intégration système. Normalement, les tests fonctionnels, ils seront automatisés d'ici à fin juin. Voilà. Pour les tests de performance, en fait, parce qu'on effectue aussi des tests de performance sur Shadow, ne serait-ce que pour vérifier que la nouvelle version ne casse pas tout sur... Quand ça se déroule, globalement, un test de performance, rapidement, Alors, on vérifie des points... On va dire qu'il y a deux points essentiels qu'on va vérifier. C'est la latence... grâce à un outil maison, dont malheureusement je ne peux pas parler plus, car il est sous brevet. Et oui, parce qu'on brevette des trucs Shadow, et ouais les gars. Et on vérifie aussi une autre composante qui est quand même essentielle, qui est la qualité d'image, là aussi avec un outil maison. En gros, vous jouez... Brune, c'est un peu court comme explication. Parce qu'ils jouent certes, mais ils prennent des notes. Alors, pour partie, oui, on joue, mais en fait, c'est pas... on ne peut pas dire que c'est une séance de... Alors, on peut pas dire que c'est une séance de jeu en soi, parce que, en fait, oui, il y a du jeu, forcément, c'est obligatoire. C'est une composante absolument indispensable de Shadow, donc oui. Sauf que nous, on va pas jouer en soi. En fait, par exemple, pour donner un tout petit exemple, on va découper ça par étapes. Ça va être, par exemple, de vérifier certaines touches clés sur le clavier, de vérifier si toutes elles fonctionnent, de vérifier la souris, donc ça permet aussi de... les clics, le déplacement, ça nous permet déjà... une première passe de ressentir s'il y a des problèmes de latence ou ce genre de choses. Il y a une étape aussi particulière qui va être sur la fluidité d'image ou ce genre de choses. Il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui nous avait remonté qui avait quelques petits soucis sur Euro Truck, Simulator 2 notamment. Ça nous a donné quelques cheveux blancs. Mais, On est d'accord que, parce que donc, évidemment, à chaque fois qu'il y a une mise à jour un truc, vous testez. Tout à fait. Et il y a aussi, vous avez des retours utilisateurs quand on vous remonte et qui du coup, vous les testez aussi directement. Tout à fait. Parce que c'est important de le dire, parce que généralement, vous savez, on vous dit de nous dire sur Discord, tout ça, oui, si vous avez tel truc, tel machin, tel bidule, si on a une masse plus ou moins importante d'un problème qui ressurgit, ça finit où ? Finit chez nous, voilà. Tout à fait. Donc c'est pour vous montrer aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait aussi cette petite édition spéciale test, ça vous montre voilà, que quand on vous dit de faire des retours, il y a une réutilité. Déjà pour vous parce que vous avez un problème, c'est ce qui est chiant pour tout le monde, mais surtout nous après on peut aussi le simuler ou le déclencher dans notre laboratoire de test. On peut dire laboratoire ? Ça pète un peu ? Ouais, non. Bon, salle ? Si tu veux. Allez. Laboratoire de test. Je m'en fous, de toute façon, de toute manière, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Donc dans le laboratoire de test. En fait, ce qui se passe, ça passe par un processus assez particulier en fait. Donc du coup, c'est le support, c'est via vos retours, notamment par Discord aussi, mais aussi beaucoup par le support, en fait. Il y a le laboratoire de reproduction. Attends, les questions, c'est après les loulous, d'accord ? Là, on finit l'explication, tout ça, et on prend vos questions juste après, vous inquiétez pas. Donc du coup, en fait, vos retours, ils sont traités par le laboratoire de reproduction, en fait, qui lui effectue, on va dire, une vérification, savoir si effectivement c'est un bug. Le laboratoire de reproduction aussi, son but, c'est de pouvoir établir un protocole pour pouvoir reproduire en fait le problème, pour être capable de dire, voilà, dans telle condition et telle condition, le problème intervient.
Après, du coup, c'est corrigé potentiellement par les développeurs. Et en fait, c'est là où nous, on intervient. Ça redescend, en fait, à la QA, en intégration système, qui intègre ce problème, en fait, dans ce qu'on appelle un référentiel de test. Là, ça va être quelque chose qu'il va falloir dont je parle. En fait, le principe ça peut aider. Du référentiel de test, c'est qu'il est nourri, notamment par vos retours et par tous les tests qu'on a déjà pu écrire avant. Forcément, Shadow, c'est un produit qui évolue. Du coup, à chaque fois qu'on va détecter un problème, nous, on va ajouter un cas de test en intégration système ou en end-to-end s'il y a besoin, pour pouvoir couvrir le problème que vous avez pu nous remonter, en fait. C'est pour ça que vos retours sont absolument essentiels. Donc Zigoto qui nous dit, donc si on dit que quand on fait des top 1 sur Apex, on joue avec un volant Logitech, on a des bugs, vous allez le tester. Zigoto, tu portes très bien ton pseudo. Aux dernières nouvelles, vous êtes un service de cloud computing, dont je trouve dommage que vous regardiez à être parfait que en jeu. Déjà, il faut savoir que si en jeu ça marche, en général, ça marche quand même globalement partout. Et surtout que ça arrive aussi des fois qu'on teste plus rarement, parce qu'on a, en fait, on a aussi moins de retours sur des trucs qui ne sont pas en jeu. Mais globalement, les uniques retours qu'on a, vu que je rappelle quand même 90% des gens qui ont Shadow, c'est pour jouer principalement, c'est là-dessus. Parce que, un truc tout bête, vous savez, quand on a commencé à filer Shadow à notre cher hard disk pour qu'il puisse travailler avec, on n'a pas eu de retour de sa part. On a eu des retours d'un point de vue hardware, donc tout ce qui était NAS, tout ça, machin truc, et qu'on a corrigé au fur et à mesure. Mais d'un point de vue software, enfin genre moi qui ai eu des cas spécifiques, mais ça arrive assez rarement. Soit c'est une limitation technologique, genre les trucs de simulation virtuelle, on sait que ça marche pas tout ça. Mais genre on a assez peu de problèmes sur Photoshop ou ce truc comme ça quoi. Alors fut un temps, on a eu un problème, mais dans ces cas-là, le laboratoire de reproduction est intervenu. Voilà. En fait, on a pu qualifier le problème. Parce que vous faites pas que du jeu non plus tout le temps. Vous faites en majorité du jeu parce que c'est les principaux retours qu'on vous fait quoi. Et on a aussi des scénarios de bureautique, notamment. Ah donc, pas que du jeu. Pas que du jeu, finalement. Tout à fait. Après, comme tu le disais, effectivement, si ça marche en jeu, le plus souvent, c'est ce qui est le plus gourmand, c'est ce qui va solliciter, en fait, le plus le système. Parfois, c'est ce qui va mettre le plus à genoux la carte graphique, et donc, du coup, c'est ce qui va solliciter le plus notre outil de streaming ou ce genre de choses. Voilà. Du coup, juste pour revenir un petit peu, donc on travaille en automatisation, effectivement, en termes de end-to-end. Donc, d'ici à fin juin, c'est pareil, en termes de end-to-end, on devrait avoir à peu près automatisé 70% en fait de nos cas de test. En fait, en ce qui concerne le web aussi, parce qu'il faut en parler, on a parlé du produit Shadow en lui-même. On parle même généralement mais on parle assez peu du web. Web, que, si vous nous regardez, on vous embrasse, vous êtes les meilleurs. Il y a quand même toute la partie pour le web, notamment par exemple, il y a toute la partie back-end et front-end. Donc front-end, c'est un petit peu toute votre interface. Back-end, c'est plus tout ce qui est base de données. Notre petite cuisine. Voilà, petite cuisine interne, exactement. Et en fait, c'est pareil. Là, la QA, elle intervient dans le sens où il y a des cycles de tests qui sont effectués à chaque mise à jour. Et à la fin, le principe, c'est que toujours, même en QA, il y a un go ou un no-go. Et on vise une automatisation des tests de non-régression. Alors, le principe de la non-régression, c'est... Ça marche toujours aussi bien. C'est-à-dire que le but, c'est bien d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Et c'est encore mieux quand ces nouvelles fonctionnalités ne cassent pas ce qui est potentiellement déjà présent. Oui, voilà. Donc, même casse-couille. On fait des tests sur des nouvelles fonctionnalités et ensuite on effectue ce qu'on appelle une passe de non-régression où on vérifie que cette nouvelle fonctionnalité ne casse pas tout. Et à la fin, il y a un go ou un no-go. Voilà. Et malheureusement pour vous, quand il y a un no-go, ça signifie qu'on doit retravailler. Malheureusement. Mais heureusement en vrai, parce que bon. C'est-à-dire que vous êtes en mode genre « Ah, c'est chiant ce qu'on peut pas avoir la feature », mais c'est parce que ça casserait tout. Et on veut éviter que ça casse tout, un petit peu, finalement. Tout à fait. Sinon, c'est un peu compliqué. Une dernière chose sur tout ça, ou on est bon? On a déjà couvert un champ assez large. Hein, un petit aspect personnel. La QA, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est absolument passionnant, parce qu'en fait, ça a l'avantage d'être transverse. En fait, on va à la fois profiter, dans une certaine mesure, des retours utilisateurs, donc avoir quand même un certain contact un petit peu avec vous. Alors, certes, par l'intermédiaire du laboratoire de reproduction, mais quand même avoir un certain contact, un petit peu la température de ce qui peut se passer. Ce qui n'est pas le cas forcément des devs web, en général, tu vois, vous avez un contact privilégié quand même, quoi. Et la QA, c'est aussi très transverse dans le sens où
on fait face à tous les aspects vraiment du produit Shadow. Donc à la fois le web, mais ça va être l'aspect virtualisation, l'aspect de streaming, tout ce qui est client, renderer ou ce genre de choses. Et bah, du coup, ça nous permet vraiment de connaître tous les aspects du produit en fait. Et ça nous permet aussi de travailler avec toutes les équipes dans le sens où on a une équipe produit à Shadow. En fait, cette équipe produit nous donne des spécifications, c'est-à-dire le comportement qui est attendu pour chaque point. Par exemple, quand vous allez cliquer sur un bouton, ça va donner ça ou ce genre de choses. Donc nous, on écrit les 4 tests en fonction des spécifications de l'équipe produit. Ces spécifications de l'équipe produit, d'ailleurs, servent aux développeurs de façon à écrire le code. Et après, nous, notre but, c'est de vérifier que ce qui a été codé correspond bien aux spécifications de l'équipe produit. Et à partir de là, on donne un go ou un no-go. Ah oui, parce que imaginons, tout fonctionne bien, mais ça ne correspond pas à ce qu'a écrit l'équipe produit. Eh bien, ça peut potentiellement être gênant et générer un no-go. Alors après, il y a une qualification du problème qu'on peut rencontrer selon une échelle qui va, on va dire, de low à critical. Et le principe, par exemple, c'est que si on rencontre lors de notre phase, lors d'une phase d'intégration système, si on rencontre des critical ou des high, ça ne passe même pas en end-to-end. Donc ça, c'est quand on fait une remontée de bugs, c'est des bugs qui sont suffisamment importants et qui justifient le blocage de la version en question. Une fois que on a nettoyé, on va dire, enfin qu'on a résolu, fixé tous ces bugs qui sont critical ou high, du coup, ça passe en end-to-end dans une phase qu'on appelle le staging, où là, on va se placer dans un environnement qui est quasiment similaire à votre pré-prod, sauf qu'on y ajoute les versions qu'on souhaite mettre à jour chez vous. Donc, on se place dans votre environnement et ensuite, on effectue la passe de end-to-end. Et là, selon si c'est de la bêta ou selon si c'est de la production, on est plus ou moins, on va dire, entre guillemets, tolérant. C'est-à-dire qu'il y a des passages en pré-prod qui sont parfois nécessaires. Sachant que c'est de la bêta, de toute manière, on sait qu'on va arriver sur un truc qui ne sera pas forcément terminé nickel, mais il a un niveau d'exigence qui est assez acceptable pour que ça puisse être de la bêta. C'est-à-dire, par exemple, on a des critical, si jamais on a des critical, c'est non, direct. Par contre, s'il y a certains high, des bugs high qui ne sont pas bloquants et qu'on a besoin, par exemple, de vos retours, dans ces cas-là, on va quand même vous proposer cette version-là en pré-prod pour avoir vos retours. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc en QA, c'est qu'on ne peut absolument pas faire du test exhaustif. C'est-à-dire que c'est strictement impossible de tester tous les claviers du monde, de tester toutes les souris du monde, de tester tous les jeux, parce que tout simplement, si on faisait ça, il n'y aurait aucune version qui ne sortirait jamais. Donc en fait, notre but à nous, c'est, on va dire, de couvrir les aspects les plus critiques basiques, du produit, les plus basiques. Donc on peut tester avec, dans notre petit truc à nous. Dans un temps limité, et de garantir que, on va dire, tout ce qui est, tous les aspects critiques sont couverts et sont fonctionnels. Alors, ça parle chinois, pour les mecs qui bossent pas dans le développement logiciel, je pense que ça va être dur à suivre. Après, vous savez, c'est un peu le principe, c'est que c'est une édition spéciale, on vulgarise au maximum, vulgariser le test à maximum, c'est un peu complexe. Mais c'est pour ça que c'est une édition spéciale, pour les gens qui veulent aller au fond des choses. Fistiland au fond du fun, comme le dit le joueur du grenier. Alors, c'est le moment des questions. Est-ce que vous fonctionnez par sprint? Si oui, combien de temps? Alors, peut-être expliquer ce que c'est un sprint pour nos plus jeunes utilisateurs. Alors, un sprint, en fait, c'est, on va dire, une période donnée de développement qui est fixe et qui déclenche à sa fin, en fait, une période de test et une mise à jour si possible. Et du coup, il y a un certain nombre d'objectifs, en fait, qui sont fixés pour ce sprint. Et c'est généralement ce qu'on appelle une roadmap. Et du coup, tous ces points sont livrés, ce qu'on appelle livrés à la QA. On effectue notre passe de test. Et après, à la fin de ce sprint, du coup, soit c'est un go et du coup, cette version est délivrée. Soit c'est un no-go et dans ces cas-là, les points qui sont problématiques sont... on va dire ajouter dans le sprint. Mais du coup, les sprints font pas forcément toujours la même durée. Alors normalement, le but c'est que ça soit assez régulier. C'est ce qu'on appelle du développement cyclique
Et le but, c'est que ça soit généralement à période donnée, en fait. Okay. Et pourquoi à période donnée? Tout simplement parce que pour que tout le monde puisse connaître la période de temps qui est nécessaire, enfin, qui est donnée pour développer, et que, par exemple, le développeur soit capable de dire, voilà, bah, dans ce sprint, je vais dire par exemple une bêtise, mais dans ce sprint d'une semaine, oui, cette feature-là, on peut la faire. Ou alors non, ça va nécessiter 2 semaines, et donc, du coup, il faudra que ça soit dans le prochain sprint. Ok. Victor, il s'endormait s'il lisait pas le chat. Mais c'est très intéressant, la fouinée. Tu es de mauvaise foi. Quel est votre rapport avec les devs QA versus dev? Alors, fut une époque. C'était un peu tendu. Ce qui est normal, parce qu'en fait, en gros, en même temps, ils étaient deux au test, alors qu'il y avait beaucoup plus de développeurs. Maintenant, les rapports sont quand même pacifiés, voire même, enfin, vous travaillez de concert maintenant. Bah, tout à fait. Le but, vraiment, c'est de travailler de concert. Le but, c'est pas de s'affronter, en fait, tout simplement, avec les développeurs. De toute façon, ça serait quelque chose qui serait totalement contre-productif, en fait. Le but, c'est de travailler de concert et d'essayer ensemble de trouver le plus de problèmes. Vous n'êtes pas ennemis, en fait. Pardon ? Vous n'êtes pas ennemis comme certains. Non, du tout, au contraire. Ça arrive dans certaines boîtes que tu as une vraie. Enfin, comme d'ailleurs, c'est pour ça qu'il le marque, hein, que versus dev, il y a beaucoup de boîtes. Enfin, on ne citera pas de nom, évidemment. Mais où il y a un vrai rapport de force, tandis que là, maintenant, chez Shadow, ça marche plutôt, ça roule plutôt bien, quand même. Non, au contraire, le but est d'avoir la meilleure communication possible. De toute façon, on est humain, donc on n'est pas parfait. Et bah, ça arrive parfois que tout simplement ça soit un développeur qui nous remonte tout simplement un problème qu'il a pu constater. Et puis bah, notre but aussi à nous, c'est d'essayer de trouver le plus possible de bugs avant. Donc on a tout intérêt à travailler de concert. Vaut mieux, et c'est le but, au contraire. Est-ce que vous faites des simulations selon différents profils de connexion Internet? Alors oui, effectivement. Pardon. Tout à fait. Je m'emporte. On a un outil aussi maison qui nous permet effectivement de dégrader. Excusez-moi, je parle un peu du nez parce que malheureusement je suis un petit peu patraque. Mais personne ne t'en veut. Pour répondre à la question, on a un outil maison qui nous permet de simuler les conditions réseau et en fait, on se sert d'une fibre qui va délivrer, on va dire, au maximum jusqu'à 1 gigabit en fait, à la fois en upload et en download. Et après, on peut effectuer le réglage qu'on souhaite. Que ça soit sur la bande passante, que ça soit sur la perte de paquets, que ça soit sur la latence, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on peut générer, nous, avec un seuil qu'on peut définir. Donc ça nous permet, effectivement, d'être sûr de ce qu'on génère, et pas d'être tributaire d'un opérateur ou ce genre de choses. D'une seule connexion, voilà. Enfin, d'avoir toujours un environnement de test constant, quoi. Après... Il a l'air marrant, cet outil. Alors... Chacun sa définition de marrant, bien évidemment, mais je pense que quand vous êtes un peu dans le délire de la tech et du test, je pense que oui, c'est un outil rigolo. Mais du coup, les reviews restent du côté de dev ou vous en faites aussi? Ah putain, les mecs pointus ce soir, qui veut te le dire? Alors, les reviews, pour moi, il y en a des deux. Je vais piquer un peu d'eau, par contre. Oui, vas-y, je t'en prie. Ah, et puis pour ceux qui se posent la question, oui, à la base, c'est un vase. Les reviews, il y en a des deux côtés. En fait, tout simplement. Nous, on a besoin de review parce que comme on a deux phases de test, l'intégration système et le end-to-end, et qu'on ne teste pas de la même manière, donc pour rappeler juste composant par composant pour l'intégration système et par scénario expérience utilisateur pour le end-to-end, ça nous arrive par exemple de détecter en end-to-end un problème. Une fois que ce problème est diagnostiqué en collaboration avec les développeurs, et ben nous, en QA, on va effectivement effectuer ce qu'on pourrait assimiler à une review où je vais par exemple débriefer avec quelqu'un de l'intégration système pour lui dire « Voilà ce que j'ai trouvé en end-to-end. Peut-être que pour ton test case dans ce domaine-là, tu pourrais peut-être ajouter une vérification des inputs ou une vérification de son à tel endroit ou ce genre de choses, à une reconnexion. » Donc, tout à fait, il y a des reviews des deux côtés. Je repose ma question. Avez-vous prévu de développer des outils test à destination des utilisateurs? Déjà, peut-être développer nos propres outils, automatiser ce genre de choses, et ensuite revient. Est-ce qu'on compte ouvrir une partie du test aux clients? Elle fait que oui, techniquement, avec les insiders? Oui, effectivement, tout à fait. Oui. Après, ils n'ont pas des outils spécifiques, enfin, quoique, et encore, je me demande si... Ils ont quand même des versions de développement spécifiques, hein, auxquelles parfois, qui sont même en avance, notamment sur ce qu'on peut recevoir en QA.
tout simplement parce que les insiders, en fait, nous permettent d'avoir un panel beaucoup plus étendu. C'est ça, en fait, ils n'ont pas des outils de test, c'est un groupe test. C'est ça, qui est différent, quoi. Mais sachant pas que leur, boulot déjà est sérieux, parce que d'ailleurs, merci à vous, les gars, parce que vous nous avez été quand même quelques belles merdes aussi, hein, les insiders, vous êtes les plus forts. Et surtout, voilà, c'est un panel, c'est un groupe test qui permet de faire un groupe à taille réduite, mais quand même déjà supérieur pour avoir ce qui déconne, ce qui déconne pas, quoi. Bah, j'en reviens au fait qu'on peut pas être exhaustif, nous, en termes de tests, donc du coup, le fait d'avoir le panel. C'est ça, c'est que c'est impossible, de toute façon, entre les insiders est extrêmement intéressant. Alors, attends, question, tu joues à quoi sinon hors boulot, Émilie? J'avais vu la question, je l'attendais avec impatience. Quand elle ne travaille pas, ce qui est assez rare, mais à quoi tu joues hors boulot, entre 23h et 23h? On va dire que c'est. Entre 23h et 5h du matin, tu veux dire. Les soirs de week-end. Très rapidement, j'ai, on va dire, deux marottes en ce moment. C'est Star Citizen, qui d'ailleurs tourne très bien sur Shadow. Et on va pas se vanter non plus, mais c'est vrai que ça tourne plutôt bien. Il tourne plutôt bien. Et aussi Minecraft, pour être parfaitement honnête, voilà. Ah, oui, d'accord. Donc des jeux qui prennent pas beaucoup de temps finalement. Quoi. Voilà, exactement. C'est marrant de voir Victor faire semblant d'être intelligent. C'est tout un travail de tous les jours. Et le pire, c'est que les gens y croient. Question, j'ai des fois des erreurs JavaScript au lancement de Shadow. Avez-vous des rapports de bugs automatiques? Alors, on y travaille. Il est bon. On y travaille, notamment sur les versions bêta. Il me semble que maintenant, il y a un peu plus d'outils de diagnostic automatique. D'ailleurs, un peu comme Star Citizen, hein. Si vous minez un peu sur Star Citizen avec un prospector, ça peut vous arriver d'avoir un crash de votre jeu et d'avoir une génération automatique d'un journal de bugs. Et nous aussi, un petit peu de notre côté, on travaille aussi un petit peu à ce. Tu viens de comparer Shadow à Star Citizen, c'est ça? Ok, non, pas de problème. On connaît ce genre de crash. Le minage, voilà. C'est mal voyé. Oui, mais miner sur Star Citizen, ça va. Miner sur Shadow, c'est un autre problème. Est-ce que vous avez d'autres questions pour... vous avez testé la Virtue sur Shadow. Ce serait cool que ce soit dispo pour spawner des VM. Non, toujours pas de Virtue sur Shadow. Après, on a peut-être testé ça, mais... Alors, pour l'instant, c'est une limitation technique, en fait. Tout simplement, c'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, le minage, c'est mal voyé. On va voir s'il y a trois autres questions qui pop. N'hésitez pas à poser vos questions. Et ensuite, on prendra un cas pratique qui vous intéresse particulièrement. Mais on voit ça encore, s'il n'y a pas encore 2-3 questions, après qu'on enchaîne. Est-ce qu'il y a des choses en test que tu aimerais avoir et que vous n'avez pas? Ouh, ça c'est... Zeko, tu es très malin comme garçon. J'ai déjà fait le test du jeu avec Shadow, je suis pas au courant. On peut installer Windows 10 Pro à la place de Windows 10 Home. Les problèmes de lag sur Ozu. Ah oui, le fameux jeu de notre grand copain. Problème de lag, il y a des gens qui jouent très très bien Ozu et qui se débrouillent très très bien dessus. Ne t'inquiète pas. Comment vous testez les périphériques, genre les OTA? Les OTAS, je sais jamais comment on dit. OTAS, je pense. Comment tu testes un périphérique? Tu le branches? Le mec trop con. Alors oui, bah oui, tout simplement. Déjà, il y a un test. Oh, déjà, quand oui. Je le branche. Alors en fait, déjà, il y a des limitations techniques. Potasse. Déjà, les périphériques à l'heure actuelle, ils sont testables uniquement sur la Shadow Ghost, la Shadow Box et l'application Windows. Voilà, donc à partir de là, en fait, si je me concentre un petit peu pour ma partie en termes de end-to-end, ça va être par exemple, ne serait-ce qu'effectivement, un, de démarrer Shadow, de le forward avec USB over IP par exemple pour l'application Windows, de bien vérifier que le périphérique en question apparaît. Ensuite, on va peut-être vérifier dans le Windows qu'il est détecté nativement. Puis ensuite, on va décider d'un jeu qui va particulièrement utiliser le OTAS afin de vérifier que le périphérique en question fonctionne bien. Sachant voilà. qu'il y a parfois quelques périphériques qui ne fonctionnent pas pour des raisons assez spécifiques. Genre, je pense aux des trucs d'aviation monstrueux là, qu'ils ont. C'est les trucs de simulation de ouf. Il n'y a pas tout qui peut marcher non plus.
C'est quoi OTAS? On va pas commencer sur ce genre de questions, Mathéo, si on n'a pas fini. C'est quoi OTAS, allez, rapidement? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs configurations, mais généralement, on va dire que c'est plutôt un stick d'aviation avec soit avec plusieurs configurations. Soit vous avez une manette des gaz, soit vous avez un double stick, soit vous avez une manette des gaz et un palonnier ou ce genre de choses. Voilà. Ah, voilà. C'est bien comme ça, tu, Mathéo, tu n'as absolument pas compris la réponse. est-ce que vous avez... alors, l'USB over IP qui se déco. On a identifié un cas auquel tu peux notamment faire face, c'est quand la latence sur ton réseau est un tant soit peu importante. Malheureusement, il se trouve que Windows a énormément de mal à le détecter, en fait. On s'est rendu compte, je crois que c'est au-dessus de 20 à 25 millisecondes, ou 20 à 30 millisecondes à peu près, en fait, là, soit le périphérique est déconnecté, soit même il n'est pas du tout, du tout détecté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de latence entre le... Enfin, tellement. Il y a suffisamment de latence entre le client Shadow et le Shadow que malheureusement, le Windows n'arrive pas à détecter le périphérique. Et du coup, ça le déconnecte. Parce soit ça le déconnecte, soit il n'est carrément pas du tout détecté. Alors, notre cher... Mon amour, je suis encore et toujours en Shadow News à 18h37, comme chaque jeudi. je te dis dès que j'ai terminé. Je pense qu'on va terminer d'ici 10-15 minutes, mon amour. Oui, je t'aime, bisous. Alors, Flo GS qui insiste et signe. Oui. Amy, du coup, tu es d'accord que sur Star Citizen, le processeur et la RAM sont bloquants et j'ai le problème de OTAS se déconnecte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est bloquant? Enfin, bloquant, ça dépend ce qu'il y a par bloquant, quoi. C'est pas non plus. Alors, on fait face aussi un petit peu à un souci, c'est que Star Citizen, c'est, comme tout le monde le sait, un jeu qui est actuellement encore en alpha. Et pour être parfaitement honnête, on a déjà de la chance, en fait, qui est, pour ceux qui connaissent, l'OCS qui a déjà été publié côté client, ce qui a très fortement déjà aidé aux performances, ce que fut un temps où Star Citizen, c'était 10 FPS par seconde. Voilà, c'était 10 FPS. Dès qu'il sort une nouvelle zone, elle tourne à 30, 20, 15 FPS aussi. C'est ça. Donc en fait, il faut savoir que normalement, un jeu vidéo, quand il est développé, le développeur, on va dire, se fiche presque d'avoir uniquement 2 FPS. Là, en fait, avec Star Citizen, on a, entre guillemets, la chance de profiter d'une alpha ouverte. Et on a eu la chance aussi qu'il y ait déjà une optimisation qui a été réalisée. Seulement, comme c'est un jeu qui est toujours en alpha... Il y a toujours des optimisations, notamment au niveau du netcode ou plein d'autres choses, en fait. L'OCS aussi côté serveur qu'on attend avec impatience. Pour tous ceux qui ont vu l'ajout d'ArcCorp et les problèmes... Je te suis pas, mais je hoche la tête. Enfin, la nouvelle mise à jour de Star Citizen qui est arrivée. Et il y a une nouvelle planète, tout simplement, qui est arrivée aussi. Et ça provoque d'énormes problèmes de performance côté serveur, en fait. Et on est dans le cas où on a atteint les limites... de performance des serveurs. Et comme c'est un jeu en alpha, il faut attendre que malheureusement les optimisations soient effectuées. Et surtout qu'en plus, petite précision, je pense qui est aussi importante, c'est que je sais pas si t'as vu, il y a une étude qui était tombée sur Apex qui disait que t'avais 50% des ordi qui pouvaient faire tourner à Apex. Star Citizen, je sais pas combien c'est, ça peut être très très élevé. Et vu les stats qu'on a sur Star Citizen, c'est déjà bien pour Star Citizen, en vrai. Oui, tout à fait. Enfin, ils ont une page de télémétrie où on pourrait regarder exactement. Mais... Oui, voilà, on pourrait se plonger dans les stats pour s'amuser, mais voilà. Terminé pour les questions. Est-ce que grâce à Shadow, mes épisodes de God seront moins sombres? Turtle, ça, on peut rien faire, malheureusement. Alors, dernier point qu'on va aborder avec Amy avant la fin de ce Shadow News. Un cas pratique que vous connaissez. On vous a dit, par exemple, que le double écran était toujours au test, qu'on a une version qui, techniquement, d'un point de vue purement technique et encore, avec des grands mots, du double écran fonctionne. Pourquoi le double écran est encore bloqué au test, par exemple? Voilà, c'est un cas de figure standard. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, le double écran, comment c'est testé et qu'est-ce qui peut amener à que ça marche pas, quoi? Alors du coup, je vais reprendre le principe... Ah, petit truc, n'hésite pas à donner la temporalité, combien de temps ça prend, tu vois, aussi. Oula.
Parce que il faut, tu vois, parce que je comprends que les gens disent, surtout, on leur a dit il y a pas longtemps, voilà, le double écran, enfin, ça fait même 3 ans qu'on leur dit. Là, on leur dit que le double écran est enfin au test et que du coup, ça va. Il faut qu'ils comprennent. Je pense que c'est important que les gens comprennent aussi pourquoi on en est à cette étape-là, en fait. Voilà. Donc, je te laisse expliquer. Alors, déjà, avant même de recevoir quoi que ce soit, il y a une première étape, on va dire, de rédaction, où on reçoit les fameuses spécifications de l'équipe produit, que malheureusement, pour l'instant, je ne vais pas encore pouvoir dévoiler. Voilà, disons qu'on a des spécifications sur lesquelles on peut travailler. Ensuite, il va y avoir toute une période où on va devoir écrire tous les 4 tests. Ça va être, par exemple, avec quel client on peut avoir ce double écran, dans quelles conditions. Comment on peut l'activer, sur quel hardware on va pouvoir l'activer, le faire fonctionner. Après, d'un point de vue de QA, on va commencer à réfléchir, par exemple, dans quelle résolution on peut le tester. Imaginons, on va avoir le double écran avec un écran 1080p, un écran 1080p, mais on peut très bien réfléchir à d'autres cas de test avec un écran 1080p, 1080p, et puis un second écran qui va avoir une résolution plus forte, 2,5K voilà, ou ce genre de choses. C'est pas très joli, juste différente dans le fond. Et après, y a tout un mix à réaliser selon les résolutions, selon les conditions de connexion aussi. Par exemple, est-ce que ça marche sur ADSL, est-ce que ça marche sur fibre ou ce genre de choses Et ça serait, on va dire, peut-être par exemple plus côté intégration système. Et puis le end-to-end, ce serait de rédiger un scénario où, par exemple, ça serait de démarrer cette fameuse fonctionnalité du double écran. Par exemple, d'avoir un scénario où on va avoir un jeu sur un premier écran et, on va dire, un navigateur avec un YouTube sur un autre écran, sur le double écran, par exemple, pour voir comment ça se passe. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de specs. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à imaginer. C'est une espèce de bible qui est grosse comme ça, déjà. Quoi. Alors juste, oui, au passage, de FlowJS à Matteo, vous êtes formidable. t'as un mec qui est mis pourquoi, nanana. Et en fait, tu vois, pourquoi c'est juste là, parce que pas peine de le dire à haute voix, ça ne sert pas à grand chose, vous avez des yeux, tu vois, pourquoi c'est Shadow alors que GeForce Now fait mieux, et là, t'as tout ça, ça n'a rien à voir. Je vous aime tous, vous êtes formidables. Vas-y, donc on a tout un tas de specs déjà, avant même de commencer les tests, exactement. C'est sympa. Après, en termes de QA, du coup, on va recevoir ça dans un environnement qu'on va régler de notre côté. Le but, par exemple, côté intégration système, ça va être de le tester avec une VM spécialisée. D'ailleurs, j'ai prononcé le mauvais mot, mais c'est pas grave. Et de le tester sur un shadow spécialisé, on va dire ça comme ça. C'est la première fois que tu peux dire VM, oui, t'inquiète pas. C'est juste qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. C'est juste le vrai problème. Donc, avec un shadow spécialisé, oui. C'est ça, avec un shadow spécialisé et... Sachant qu'on a plusieurs types, notamment de cartes graphiques aussi, de aussi effectuer ces tests dans ces deux environnements-là. Donc, en fait, il faut vous dire qu'à chaque fois qu'on va réfléchir à une thématique, que ce soit la résolution, que ce soit la connexion, ou que ce soit le type de carte graphique qu'il y a, c'est pareil, ça va générer un certain nombre de test cases, en fait. Voilà. Donc, il y en a forcément beaucoup plus côté intégration système. Et après, nous, en côté end-to-end, en fait, ça va être un ou deux scénarios qui vont nous permettre de vérifier que l'ensemble complet fonctionne bien. Mon petit alpha d'amour, tu peux me le kick, s'il te plaît, pas d'amalgame, il est relou pour rien. Mais continue, excuse-moi. C'est juste qu'il embête le chan avec son compte créé aujourd'hui juste pour troller. Pas d'amalgame, je te souhaite une bonne journée, cela dit. Donc, déjà on a tout ça. Déjà on a et tout en ça. Plus, en fait, dans un seul cas de figure, t'en as et t'en as 5 autres. C'est ça. Si on résumait grossièrement. C'est donc, ça. Déjà, ça dépend de ce qu'on veut tester, je suppose, mais du coup, ça prend déjà plus ou moins de temps, un petit peu. Tout à fait. Ensuite. L'étape numéro 2 qui est de tester, je suppose, une fois que tu as tous ces 4 figures. Exactement. Donc après, le but, ça va être d'exécuter ces 4 tests. Donc le principe d'un 4 tests, en fait, ça va être une liste d'étapes à réaliser avec, en parallèle de ces étapes, un résultat attendu. Donc du coup, nous, après, on indique si l'étape est bonne ou pas. Si on fait ça, on s'attend à tes résultats. C'est ça, exactement. Donc après, on va subdiviser en un certain nombre d'étapes. Et après, il y a une fin à ce test case, et donc du coup, on passe au suivant.
Voilà, donc après, c'est fameux. Là, forcément, après, ça grossit. En gros, tu testes ton ça de texte, quoi, que t'avais. D'accord ? Exactement. C'est horrible comme métier. Voilà. Oh, je pourrais pas le faire. Vous êtes vraiment courageux. Et donc, après, le principe, c'est que dès qu'on rencontre un problème, il va falloir qualifier ce problème, c'est-à-dire que... Tester une deuxième fois pour être sûr si ça marche. Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion de reproductibilité, c'est-à-dire que Shadow, c'est quand même un produit qui est complexe. Autant des fois, on peut avoir de la chance et le problème est reproductible. C'est-à-dire qu'on va itérer une, deux ou trois fois. C'était pas random, ce qui peut arriver parfois, quoi. Bien sûr. Et si sur les 3 sur 3, on a un échec, là, du coup, ça nous permet de dire, OK, c'est quelque chose qui est reproductible, c'est qualifié. On récupère toutes les données dont il y a besoin, hein, donc différents logs ou ce genre de choses. Et après, c'est un bug qui est donné au développeur afin que le problème soit corrigé. Voilà. Donc, notamment dans le cadre du double écran, ça nous est arrivé de détecter certains problèmes, malheureusement. Ce qui est aussi tout à fait normal, hein, c'est une nouvelle fonctionnalité. Faut savoir que il y a des environnements dans lesquels les développeurs évoluent. Et après, nous, on évolue aussi dans un environnement qui peut potentiellement être différent et plus proche du vôtre. Donc, ne serait-ce que ça peut parfois provoquer quelques soucis. Sachant qu'il me semble que les insiders ont accès en ce moment au double écran, si tu ne fais pas de bêtises. Ou alors ils le rendent dans pas longtemps, sachez-le. De toute façon, les insiders, ils ont toujours tout en avance pour tester avec vous. Donc, là, entre le moment où on a réussi déjà chez Dev à avoir un double écran qui fonctionne à peu près, à c'est arrivé chez vous, ça fait combien de temps que c'est chez vous à peu près? Alors, généralement, il faut se dire qu'il y a à peu près, je dirais qu'il y a à peu près, on va dire, une bonne journée de tests purs en soi, au moins, au minimum, voire une à deux journées, en fait, de tests, ne serait-ce qu'en intégration système, en fait. Pour pouvoir dire ok, ça peut être éligible au end-to-end. Voilà. Et ensuite, voilà. S'il y a des points bloquants, ça repart chez les devs. Exactement. Et ensuite, c'est une espèce de rebond. Il y a du développement qui est effectué. Du coup, nous, on est obligé de retester complètement. Parce que quand il y a une modification qui est effectuée, je vous parlais de non-régression un petit peu tout à l'heure. Le but, c'est de réexécuter les 4 tests, mais toujours... de la même manière, de façon à être capable de dire exactement si il y a quelque chose d'autre qui a cassé. En fait, c'est ça le principe de la non-régression. Parce qu'en plus, quand on y pense, c'est qu'en fait, il y a d'un côté la feature qu'on pousse. C'est ça, là, par exemple le double écran. Par exemple, mais aussi à côté, il y a d'autres trucs qui avancent. Et en fait, ça. Du coup, tout s'imbrique. Et du coup, il faut être sûr que tout en avançant sur les tests que tu fais avec ton double écran, ça rentre pas en... Il y a une passe de non-régression à effectuer aussi, juste après d'avoir testé en soi le double écran. Oui, c'est qu'on effectue une passe de non-régression. C'est un peu plus complexe qu'un benchmark. On effectue une passe de non-régression pour dire, OK, on n'a pas cassé le simple écran. C'est tout bête, mais on n'a rien cassé d'autre. Et du coup, il y a des déboires sur ce test du double écran. Évidemment, sinon il serait déjà sorti du test, tu penses bien. C'est pas des trucs ultra bloquants, évidemment, mais ça change pas que oui, il faut juste que quand ça sort, ça marche, en fait, mine de rien. Et en fait, pour toutes les features de n'importe quelle entreprise du monde, il y a des quacks, enfin, il y a des déboires quand ça va, quand ça dev. En gros, tu peux pas dev un truc qui marche direct. Enfin, ou alors, t'es un putain de génie. Mais en général, dans une boîte, dans n'importe quelle boîte du monde, tu fais ton truc, tu le testes, tu corriges, et voilà. Et de toute façon, en fait, un programme n'est jamais terminé, en plus de ça, parce que tu passes ton temps à l'améliorer. Donc, sur le double écran, il y a eu des déboires. Enfin, les gars, ça fait 3 ans qu'on en parle. Vous pensez bien que s'il n'y avait pas eu de déboires, il serait déjà sorti. Mais évidemment qu'il y a eu des couacs, comme n'importe quel truc qu'on développe, c'est tout à fait normal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça avance à son rythme, et ça avance plutôt bien. Sans donner rien de date, rien du tout, toi qui es au test, tu peux confirmer que ça se passe plutôt bien. Tout à fait. Et c'est quelque chose de normal en termes de, oui, en termes de développement. C'est-à-dire que pour une feature, par exemple, qui est aussi complexe que le double écran, ça demande beaucoup de... Ça demande du travail inter-équipe. Ne serait-ce que ça peut potentiellement être générateur de problèmes, en fait. Parce que cette fonctionnalité-là peut attendre certaines entrées ou certaines sorties. Et si elles ne sont pas fournies, rien que ça peut provoquer des problèmes, en fait. Voilà. Par exemple. Tu veux prendre une dernière... Je te laisse choisir la dernière question, c'est une qui t'intéresse, et nous finirons ce live. Donc, pour résumer très sommairement ce qu'il vient de se dire là, sur le double écran,
comprenez que voilà, ça se fait. On fait pas. En fait, le test, c'est pas on le branche, on l'allume, on voit si ça marche. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, parce que ça prend déjà, il y a un vrai protocole à respecter. Il y a des renvois qui se font au dev, plus tout le reste qui avance. Donc, on n'est pas juste sur du donner le double écran, même si c'est tout pourri. Non, il y a quand même un... Même si c'est de la bêta, finalement, il y a quand même un level de qualité minimum à avoir pour que ça fonctionne chez vous. Quoi. Et puis, il ne faut pas que ça pète tout le reste aussi. Quoi. Ce qui peut arriver quand tu lances une nouvelle feature. Donc voilà, juste, je vous dis pas le double écran, c'est pas arrivé parce que, c'est juste que comprenez en fait... Tout ce que ça demande, c'est très, 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 très volumineux. Et en fait, on ne se rend pas compte forcément. C'est pour ça, dans cette édition spéciale, que Emile là pour vous expliquer. Je pense que vous avez compris avec moi, c'était complexe en plus. Hein, parce que c'était un peu long, là. Ça fait 50 minutes qu'on live. Je pense que vous comprenez à quel point c'est pas un claquement de doigts pour que ça marche bien. Comme ça. Donc, vas-y, choisis ta dernière question. Si tu en as une qui te plaît, n'importe laquelle. C'est la nouvelle tradition que j'ai inventée depuis exactement 30 secondes. Tu choisis. Alors, j'en avais une qui me tentait bien, le quid de l'automatisation des user stories complètes, mais malheureusement, j'ai déjà répondu un petit peu à cette question, mais très rapidement, en fait, on compte automatiser, on va dire, 70% du end-to-end d'ici à juin. En concernant rapidement le web, c'est pareil, l'automatisation des tests de non-régression, c'est aussi prévu pour fin juin. C'est déjà pas mal. Concernant les performances, c'est juste 70% des tests, c'est pas grand chose. Concernant les tests de performance, là on compte plutôt une automatisation pour fin septembre. Voilà. L'un des gros objectifs de la QA aussi, c'est de développer un peu d'avoir notre propre framework de test en fait pour la fin de l'année. Alors, expliquez ce que alors un framework de test en fait, c'est on va dire une interface globale sur laquelle il serait notamment possible de lancer on va dire toute une batterie de tests automatisés, notamment pendant la nuit ou ce genre de choses, ce qui serait quand même un gain de temps monstrueux et qui offre aussi beaucoup d'autres possibilités, comme par exemple les exécuter pendant les peak time ou ce genre de choses, notamment pour les tests de performance, c'est des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Le fait de tester quand il y a quasiment personne et le fait de tester quand c'est un peak time, ça va nous permettre de quantifier à quel point il peut y avoir un potentiel impact. C'est ça. Et puis beaucoup plus de précision finalement dans chacune des données. Et surtout en fait déjà ça permet de faire des tests qui sont pas forcément faisables à toute heure, tout le temps, et surtout avec cette rigueur constante, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu le problème, c'est qu'on est des êtres humains, du coup on peut pas rester toute la journée à faire le truc. Et surtout en plus ça vous permet aussi vous de vous concentrer sur des trucs qui sont peut-être faire plus à la mano quoi. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle du test exploratoire, ce qui est absolument indispensable. Parce que autant on effectue toute notre passe de non-régression, les tests de nouvelles fonctionnalités selon des protocoles qui sont écrits étape par étape, qu'on appelle les 4 tests. Et il y a aussi toute une phase extrêmement importante qui s'appelle le test exploratoire, où on est un petit peu, pas en totale liberté, mais un peu ça, c'est-à-dire que bah, si on a notre propre panel de jeux personnel ouais. ou ce genre de choses, ça va nous permettre d'étendre. J'aimerais tester ça. Non. C'est bah, ça. On peut résumer ça dans cette phrase. C'est, tiens, j'aurais envie de tester ça, même s'il n'y a pas de protocole ou machin. Quoi, ce qui permet parfois de trouver des trucs qui sont plutôt exactement. Cool. Exactement. Bon, on va s'arrêter là, parce que sinon, moi, je suis chaud pour en parler deux heures, mais encore une fois, vous avez vu, il y a ma chère étante qui m'a appelé, ce qui veut dire que c'est l'heure qu'il faut que je me casse. Je tenais à vous dire quelque chose, au passage. Vous êtes 143, vous êtes quasiment constamment 143, sur un truc aussi technique. Je vais pas vous mentir, j'y croyais pas. Je pensais qu'on aurait une chute à 90. Merci d'être resté aussi longtemps à nous écouter. Merci beaucoup à toi. Hein, Merci beaucoup à toi, Victor. Ça t'a demandé du courage pour une première fois. J'avais juste une petite dédicace à faire. Ah bah, si tu veux faire une dédicace, je suis sincèrement désolé. Ça fait 53 minutes que tu parles. Je sais qu'il y a peut-être quelques personnes qui regardent la QA, donc du coup, je souhaitais juste faire une petite dédicace à mes deux stagiaires, Jonathan et Yanis, et aussi particulièrement à toute la QA, à Grégory qui est mon chef, qui est mon chef génial. Malheureusement, ça aurait dû être lui, mais il n'a pas pu être là pour raison médicale. Voilà. Et donc une petite dédicace un petit peu à toute la QA. Vous êtes combien à la QA au passage? Bah, tout simplement, Jamal, Faris, Gaëtan, François, Yanis, Jonathan, moi
Et aussi, j'ai aussi quelqu'un à la repro, mais je me souviens qui plus vient d'arriver, qui vient d'arriver, oui, qui vient d'arriver. Mais je me souviens plus malheureusement voilà. De son prénom. C'est quand même pas mal. Je suis désolée. Mais voilà. En même temps, il vient d'arriver, tu peux pas non plus être une machine autoroutière. Voilà, bon ben, merci beaucoup encore une fois, merci vraiment à vous, c'était très très cool. Je vois que ça, j'ai l'impression que ça vous a plu, donc ben, il y a moyen qu'on le refasse du coup. Des gros bisous, et on vous dit, moi je vous dis donc à... Bah non, pas à lundi, je serai pas là non plus lundi, bordel de cul, tiens. Alors, je referai jamais de Shadow Morning, c'est terrible. Bon, bref, on se retrouve jeudi pour un prochain Shadow News, je vous embrasse, vous êtes formidables, vous êtes tous très beaux, et je vous fais des gros bisous, bye. Au revoir. Au revoir.